De ce qu'il a déposé dans mon cœur. Amen. Je remercie Pasteur Tati pour sa confiance. Parce que vraiment, se tenir devant le peuple de Dieu, c'est une charge, mais une belle, belle charge. Amen. C'est positif. Amen. Alors, je bénis l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Je bénis son Saint-Nom pour cette faveur, cette grâce qu'il me fait en ce jour. Que seul son nom soit élevé. Et que moi je diminue. Et que tout ce qui, va sortir de ma bouche soit pour la gloire de son Seigneur. Amen. 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 Sans plus tarder, je vais passer au message qu'il a déposé en moi. Notre verset clé de cette journée, c'était le psaume 68, verset 12. On peut le lire ensemble. 68, verset 12. Le Seigneur dit une parole, et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. J'essaie de faire une petite analyse de la forme un peu grammaticale de, ce verset. Je vois que le Seigneur parle de messagers. Donc il s'adresse à des femmes. Et en plus, c'est au pluriel. De bonnes nouvelles sont une grande arme. Demain, c'est le 8 mars. Alors, en cette journée, on va célébrer de la femme. Il y en a qui vont aller défiler, qui vont mettre des costumes de tout genre. Mais nous, femmes messagères, nous voulons vraiment marquer, impacter nos familles, la société, par le message que le Seigneur a déposé en nous. Parce qu'il y a certainement un message qui est en place. Il ne faut pas te sous-estimer, femme messagère. Alors, je pose une question. Qui est cette femme messagère de bonne nouvelle? Cette femme messagère, c'est toi, c'est moi. Et de quelle bonne nouvelle on parle ici? La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre bonne nouvelle. C'est la meilleure des nouvelles que nous avons. La Bible nous dit dans Jean 1, 4. Je suis enrhumé, veuillez excuser ma voix. Jean 1, 4 nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 4, on dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc dans la parole, cette bonne nouvelle, il y a la vie, mes bien-aimés. Il y a la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous avons besoin de cette vie. Pour être cette lumière pour les hommes, femme messagère, as-tu la vie, as-tu cette vie en toi pour être cette lumière pour les hommes? C'est-à-dire, as-tu la parole, la vie? Alors, il y a un autre passage qui a attiré mon attention dans la Bible, dans Matthieu 13, de 4 à 9.
Que nous dit ce passage? S'il y a quelqu'un dans la salle qui a trouvé, il peut lire s'il vous plaît. Matthieu 13, 4 à 9. Une maman a trouvé un passage? Génieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle le vint aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donnait du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour un. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Bien-aimé, toi et moi, nous avons assisté à différents séminaires, à des conférences, à des enseignements. Nous allons même dans des cellules de maison. Nous écoutons cette parole. Mais ma question est celle-ci. Que fais-tu de cette parole? Que fais-tu de la parole? Est-ce que tu la laisses au bord du chemin? Comme nous dit dans la Bible? Ou bien, quand tu entends cette parole, la laisses-tu tomber sur des pierres? Ou la laisses-tu tomber au milieu des épines? Ou alors reçois-tu réellement cette parole dans ton cœur? Vous savez, bien aimé, au bord du chemin, il se passe beaucoup de choses. Surtout chez nous en Afrique, là, je ne sais pas, quand on se met au bord du chemin, il y a vraiment une activité, il y a une cacophonie. Il y a des bus qui passent, il y a des marchés à côté, il y en a qui se disputent un peu plus loin. Il y a des bars, il y a des églises aussi. Mais dans tout ça, est-ce que tu peux garder la parole au bord du chemin? À moins que tu sois expert vraiment pour ne pas être dans la distraction. Hein? Mais je crois qu'au bord du chemin, on est vraiment là, regarde, mais toi, ça fait longtemps, je ne t'ai plus vu. Hein? Ouais. Ou bien, laisses-tu cette parole tomber sur des pierres? Mais quand elle tombe sur une pierre, bien-aimée, quand on met une semence sur une pierre, est-ce que cette semence prend vraiment racine? Elle peut faire un semblant de prendre quelques racines, mais sur une pierre, elle finira certainement par s'étouffer et mourir. Ou bien laisses-tu tomber cette parole que tu as reçue dans des épines? Nous savons les épines, quand nous traversons les champs, quand il y a une épine qui te prend au niveau des jambes, qu'est-ce qui se passe? Elle pique, elle blesse, mais certainement, elle ne laissera pas cette parole prendre forme. Ou alors, femme messagère, reçois-tu cette parole en toi? Tu la laisses pousser en toi, elle se développe, et puis elle produit des résultats. Mais quand elle produit des résultats, est-ce que c'est pour que toi tu gardes ces résultats pour toi? Que fais-tu des résultats qui sont produits par la parole en toi? En tout cas, j'espère que toi et moi, nous faisons partie du quatrième groupe, hein, qui reçoivent la parole et qu'elle pousse et qu'elle se développe et qu'elle porte des résultats. Parce que si tu es parmi ceux qui sont au bord du chemin, je pense que le message que Maman Amour a donné ici vraiment est capital alors. Hein? Et que tu dois savoir vraiment te repositionner. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu de résultats. S'il t'a sauvé, c'est pour un but. Ce n'est pas un hasard. Est-ce que c'est pour un plaisir que Dieu nous sauve? Il ne nous a pas sauvés pour être des figurants. Si Dieu t'a sauvé, bien-aimé, il a investi en toi quelque chose. Amen.
Et c'est normal qu'il attende des résultats. Je crois parmi nous ici, il y a certainement des gens, même moi, je sais, on essaie parfois de faire des petites affaires, on investit un capital. N'est-ce pas qu'on attend que ce capital se reproduise? Mais c'est Dieu qui investit en nous. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est dans son droit d'attendre un résultat? Alors pourquoi je dis cela? Lisons dans Luc 13, 6 à 9. Si quelqu'un trouve Luc 13, 6 à 9, il peut nous le lire s'il vous plaît. Luc 13, 6 à 9. Amen. Amen. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour chercher du fruit qu'il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-moi encore 7 années, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, je vais du fruit. Amen. Bien aimé, ici on voit que le Seigneur est maître de cette vigne. Pourquoi je dis qu'il est maître? Parce qu'on voit qu'il vient demander quand même des comptes à ce vigneron. S'il n'était pas maître, il ne viendrait pas. Quelqu'un ne peut pas venir chez toi et commencer à te demander, voilà pourquoi tu as fait ça chez toi dans ta parcelle. Il est venu, c'est qu'il avait des droits. Donc il pose la question à ce vigneron. Ce figuier, ça fait depuis 3 ans que je viens ici. Et il n'y a pas de fruit sur ce figuier. Il n'y a pas de résultat. Qui est ce figuier? C'est toi? Bien aimé, c'est toi ou c'est moi? Le vigneron, c'est qui? Le vigneron, c'est nos pasteurs, nos bergers. Ils nous apportent la parole des enseignements tous les jours pratiquement. Les dimanches, nous venons dans des conférences, on entend cette parole. Mais qu'est-ce qu'on en fait de nouveau? Je pose la question. Le Seigneur attend de nous quelque chose, bien-aimé. Si nous ne produisons aucun résultat, le Seigneur dit coupez cet arbre, car il ne donne aucun fruit depuis 3 ans. Moi, quand j'ai vu les depuis 3 ans, là, ça m'a fait peur. Je dis ici, le Seigneur est revenu seulement depuis 3 ans. Mais nous, peut-être, on est ici, ça fait 20 ans, 15 ans dans le Seigneur. Si le Seigneur revient aujourd'hui te demander à toi qui as 20 ans ici, mais ou bien il nous a déjà coupé, je ne sais pas. Parce que ici, c'était au bout de 3 ans qu'il est venu demander des comptes. Alors nous, bien-aimés, ça fait trop longtemps que nous attendons la parole de Dieu. Il est temps, femme messagère de bonne nouvelle, de te lever et de proclamer cette parole de vie. Proclamer le royaume. Ne soyons pas inutiles sur la terre comme ce figuier. Femme messagère, nous avons une mission. Si nous avons reçu la grâce d'être sauvés, ce n'est pas pour rien. Nous avons une mission. Et dans ce verset 12, on voit que donc il dit, femmes messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Il dit, sont une grande armée. C'est une affirmation. Nous sommes une grande armée, femmes messagères. Être une armée de l'Éternel, je ne sais pas si vous réalisez ça. Parce que quand on voit l'armée, dans des pays, ici en Belgique, aux États-Unis, à la tête du pays, c'est très important d'avoir une armée parce que c'est un outil majeur de l'État. Alors, si nous sommes, disons quand nous voyons ces armées de pays-là, bien entendu, une armée reconnue comme armée de l'État. Nous voyons, ils ont un uniforme, ils ont leur équipement, ils ont différentes armes sur eux. Et puis j'ai aimé tout à l'heure, maman Cécile, elle a dit, enrôlé dans l'armée. On ne prend pas n'importe quel militaire comme ça dans une armée. Ils doivent satisfaire à des tests.
J'avais mon fils aîné qui voulait aller faire le service militaire. Il m'a dit, maman, je vais aller. Il s'est présenté là-bas. Mais il a été recadé. Il est revenu, il dit, ah maman, quand on m'a pesé, j'avais 2 kilos de plus. Il fallait 85, moi j'étais à 87 kilos. Ils m'ont refusé. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des conditions. Alors nous, femmes messagères, les conditions, je pense qu'on nous donne l'occasion de remplir toutes ces conditions par la parole de Dieu. Pensons à méditer cette bonne parole, cette parole de vie au quotidien. Nous devons en faire une arme. Ça doit être notre entraînement. Parce que dans l'armée, tous les jours, ils s'entraînent. Si on voit, ils restent même dans des casernes. Hein, pour venir à la maison, ils ont besoin d'une permission pour sortir de la caserne. Mais nous, notre Seigneur, il nous dit, vous êtes une armée, une grande armée. Il nous a donné ça, femme messagère. Alors, lisons la parole de Dieu. Elle va nous permettre à nous équiper, à nous former. Ayons de la discipline comme les militaires. Parce qu'au quotidien, ils s'entraînent. Ils passent des heures et des heures pour être au top de leur forme. Pour être capables d'aller en mission. Alors nous aussi, nous avons besoin de nous armer parce que nous avons une mission. Nous avons une mission, bien-aimés. On ne s'improvise pas militaire. Parce que dans les pays, on voit, il y a des bandes armées, il y a ce qu'on appelle des milices rebelles qui attendent les gens pour faire des embuscades et des choses comme ça. Mais nous soyons les militaires de l'armée de l'Éternel. Maman, il est temps de se lever. Lèvons-nous. Allons faire des conquêtes comme l'armée. Parce que l'armée, ils ont une mission. Et dans leur pays, faire des conquêtes au niveau du pays et en dehors des frontières. Donc nous, nous avons aussi cette mission-là dans nos familles, dans la vie, dans la société et au-delà des frontières. Demain, c'est la journée de la femme. Il va y avoir, même je suppose aux Nations Unies, on va parler de la femme. Mais pourquoi pas nous aussi, un jour, être aussi aux Nations Unies, femmes chrétiennes. On peut aussi aller là-bas. Il y a un programme, mais nous faisons partie de ce programme-là aussi. Pour parler de cette bonne nouvelle qui est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit dans Matthieu 28, 19 à 20, allez faire de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Femme messagère, il est temps de nous lever. Nous devons aller enseigner, nous devons proclamer le royaume aux autres. Il y en a beaucoup qui sont dans l'attente. On a vu Jésus-Christ. À un moment, il s'était retrouvé face à cette foule qui était désemparée. Cette foule qui avait des problèmes. Nous aussi, parfois, on peut être devant quelqu'un qui a un souci, qui a un problème. Mais je trouve que souvent, on tombe dans la facilité de dire, ah, Zamba Kosala. Zamba, c'est à grâce. Non, bien-aimé, il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur et parler à cette personne de qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Si toi et moi, nous sommes sauvés, amenons aussi les autres à être sauvés. Si toi et moi, la parole de Dieu nous a transformés, aidons les autres à être transformés. Soyez comme ces militaires de l'armée de l'État. Quand ils partent en mission, observez quand ils ont un blessé, hein, ils vont toujours aller les récupérer. Ils ne laissent pas leur blessé comme ça. À moins qu'ils soient morts et qu'ils n'ont vraiment pas... Mais ils vont se battre pour récupérer. Ils disent, c'est un de nôtre, on doit le ramener. Mais toi, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais de ton frère quand il est blessé? Est-ce que tu retournes le prendre avec toi pour sortir de là? Ou bien tu vas encore planter un couteau dans son dos pour l'achever. Pour conclure, je dis ceci. Où te situes-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es au bord du chemin? Est-ce que tu es sur un terrain épineux? Un terrain pierreux?
ou bien es-tu sur une bonne terre qui va produire de bons résultats? Bien-aimés, soyons des chrétiens actifs. Notre Dieu, c'était un Dieu dynamique. Quand on regarde Jésus-Christ, il était dynamique. On le voit, il bougeait beaucoup, il allait dans des contrées, il allait dans des régions différentes. Il n'était pas statique. Alors ne soyons pas ces chrétiens statiques qui restent assis. On est passif, on est toujours là, assis. On vient tous les jours. Donc ça devient une habitude de venir à l'église. Le fait de venir à l'église, ça ne doit pas être une habitude. Parce que quand c'est une habitude, bien aimé, c'est dangereux. On ne sait même plus ce qu'on va faire à l'église. On vient seulement parce que le dimanche, oui, c'est bon, ça, il y a culte. J'y vais. Non, bien aimé. Soyons comme notre Seigneur, soyons actifs. Allons vers les autres avec cette bonne nouvelle. Soyons une armée qui se lève, qui va vers les autres. Qui vont rechercher les autres pour les ramener, pour gagner des âmes. C'est ça notre mission. Grande armée que vous êtes. C'est ça notre mission. Donc la journée d'aujourd'hui, femme messagère, moi je pense que c'est encore une opportunité pour toi, pour moi, que le Seigneur nous donne encore de se remettre en question. Ma soeur l'amour, elle a posé la question de savoir est-ce que tu as déjà eu, tu as déjà vraiment eu le salut, trouvé le salut. Moi je repose la question, où est-ce que tu te positionnes par rapport à la parole de Dieu? Tu es où, sur quel terrain, bien-aimé? Est-ce que, après toutes les années que tu es dans le Seigneur, as-tu déjà amené ne fût-ce qu'une seule âme au Seigneur? Après 20 ans, 25 ans dans l'église, as-tu amené ne fût-ce qu'une âme? Ne soyons pas comme ce figuier qui occupait la terre inutilement, au risque que le maître demande qu'on nous coupe. Je crois que nos pasteurs, ils font le travail tous les jours. Ils plaident. Ils disent, Seigneur, laissez-moi encore, je vais creuser autour du fumier, du figuier. Je vais encore mettre du fumier, de l'engrais. On nous donne, on nous arrose de la parole de Dieu. Alors ne laissons pas cette parole s'étouffer en nous. Elle doit absolument porter de résultats. Sortons, femme, une armée qui s'élève. Lève-toi. Va, remporte des conquêtes. Gagne des âmes sur ton territoire et en dehors de tes frontières. Amen. Soyez bénis.